Salut la team des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour des pronostics sur les matchs amicaux France, Chili et Allemagne, Pays-Bas avec un combiné pour doubler votre mise. Je commence avec France, Chili. La France, c'est 2 défaites sur les 11 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Et les deux, c'est face à l'Allemagne. La première défaite en septembre 2023 à Dortmund, 2 buts à 1. Et la dernière, samedi soir à Lyon, où les Bleus ont perdu 2-0 après avoir fait un match catastrophique. Les deux matchs étaient des amicaux, donc rien de grave non plus. Ils ont été méconnaissables après leur très bonne phase de qualification pour l'Euro, où ils ont terminé premier du groupe avec 7 victoires et un nul en 8 matchs pour 29 buts marqués et 3 encaissés. En face, le Chili est sur le déclin, ils n'ont pas réussi à se qualifier pour la dernière Coupe du Monde en terminant 7e sur 10 dans la zone âme sud. Pour la Coupe du Monde 2026, c'est mal parti également avec une victoire, 2 nuls et 3 défaites en 6 matchs. Par contre, vendredi en amical, ils ont déroulé face à l'Albanie en s'imposant 3-0. Malgré cette victoire le week-end dernier, le Chili est vraiment dans le dur ces dernières années. Côté bleu, Deschamps va faire tourner et vu le match horrible contre l'Allemagne, les joueurs qui seront alignés voudront montrer un bien meilleur visage. La France devrait s'imposer tranquillement ici. Je tente la victoire et moins de 4,5 buts à 1,46. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Pensez à activer les notifs pour être alerté à chaque fois que l'on sort de nouvelles vidéos. Abonnez-vous aussi à notre Telegram et notre compte Instagram. Vous avez les liens sur la page d'accueil de notre chaîne YouTube. Et donc l'autre match, j'ai choisi Allemagne-Pays-Bas. L'Allemagne aura à cœur de réussir son euro à domicile après 3 gros échecs. Ils ont terminé dernier de leur groupe à la Coupe du Monde 2018. Élimination en 8e de finale de l'Euro 2020. Et élimination encore une fois dès la phase de poule lors de la Coupe du Monde au Qatar. Leur bilan sur les amicaux en 2023 n'est pas terrible avec 3 victoires, 2 nuls et 6 défaites en 11 matchs. Par contre, ils ont bien entamé 2024 avec une victoire 2-0 contre l'équipe de France samedi dernier. Les Pays-Bas, eux, sont en forme. Ils se sont qualifiés pour l'Euro en terminant 2e derrière la France avec 6 victoires et 2 défaites, les 2 contre les Bleus. Vendredi, en amical, ils ont été très sérieux contre l'Écosse et se sont imposés 4-0 à domicile. Je pense qu'on aura des buts ici entre deux nations plutôt offensives. Je tente les deux équipes marquent à 1,45. Si vous voulez suivre mes deux pronos en combiné, vous pouvez utiliser le bonus de chez Parion Sport en ligne. Vous déposez 100 euros, vous jouez ces 100 euros. Et peu importe que votre pari soit gagnant ou perdant, Parion Sport en ligne vous crédite 100 euros de free bet des crédits de jeu non retirables. Pour en profiter, il suffit de passer par notre lien qui est en description. Vous pouvez ensuite par exemple miser les 100 euros sur mon combiné côté à 2,12, donc France qui s'impose et moins de 4,5 buts dans le match, et les deux équipes marquent entre l'Allemagne et les Pays-Bas. Si ça passe, vous remportez 212 euros plus les 100 euros de free bet, et si ça ne passe pas, vous aurez donc toujours les 100 euros de free bet pour parier. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à donner vos avis sur mon combiné dans les commentaires. Je vous rappelle que les paris sportifs sont strictement interdits aux mineurs. Jouer doit rester un plaisir, donc misez toujours en fonction de vos moyens. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.